Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se trouve pour le 11e épisode de la découverte du DLC Vive la France sur Euro Truck Simulator 2. Donc dans ce 11e épisode, on va tout simplement reprendre de là où on était, c'est-à-dire Civaux. Donc on va rentrer dans le camion. Donc on transporte toujours notre petite remorque de bœuf de 21 tonnes de subsets. Donc voilà, et donc là, on va tout simplement aller direction Bourges. Donc on transporte du bœuf de 21 tonnes. Destination Bourges à l'entrepôt Globeur. Attendu entre mardi 2h53 et mardi 7h03. Revenu d'admission 18 190 euros. Temps restant 5h28 et prochaine coupure dans 5h23. Donc voilà, je vais vous faire montrer avec la carte. Donc on avait fait La Rochelle, Nantes, Civaux. Et là, du coup, on va faire Civaux Bourges. Et après, on essaie de faire Bourges-Dijon. Parce que vous avez vu, il y a des nouveaux trucs apparemment. Il y a des nouvelles routes. Surtout des nouvelles routes en fait. Il y a la A6 qui passe. Après, est-ce que ça vaut le coup de retourner à Dijon? Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Tout pour vous dire, je sais pas. On verra. On verra. Si on a une mission pour Dijon, on va à Dijon. Sinon, on n'essaiera pas d'y aller vraiment voir à Dijon, tout simplement. Je vais mettre mes feux, tout simplement. Ah oui, ok, c'est sur le côté. Ah, Volvo, ça doit être. Ah, c'est comme en Allemagne, c'est sur le côté, d'accord, ok. Comme les voitures allemandes. C'est sur le côté. Bon, je m'arrête pas au stop parce que j'ai pas trop le temps. Mais le cœur y était, on va dire. Allez, c'est parti. C'est parti. Direction Bourges. On n'y a pas été encore à Bourges, donc ce sera l'occasion d'y aller. Et après, je sais pas combien de villes il nous restera vraiment. Je sais pas trop, on va voir. On va voir tout ça, tout simplement. Allez, on accélère à fond. On accélère direction Bourges. Hop, voilà. Donc là, on reprend la petite portion de forêt qui est plutôt sympathique. Ça change de d'habitude, hein. C'est plutôt sympathique cette petite portion. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aimez les petits écarts de d'itinéraire qu'on fait pour voir les petites cités nucléaires. Hein. Je pense que oui, quand même. Voilà. Je suis arrivé un petit peu vite, donc du coup j'ai carrément pilé. Chose qu'il fallait pas vraiment faire, mais bon, c'est pas grave. Allez, normalement on reprend l'autoroute là, si je ne m'abuse. Oui, là on va reprendre l'autoroute, ok, d'accord. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Allez, on va reprendre l'autoroute. Assez vite, je l'espère. Et comme ça, le bœuf de 21 tonnes va arriver. Nickel chrome à l'heure, parce que là il est 2h24, 2h04 je veux dire dans le jeu. Ah, 2h53 on pouvait y aller, ouais, ben, fallait pas faire d'écart d'itinéraire comme ça aussi. Mais il nous reste combien de temps là? 4h31, ah bon. Bon. On va voir ça. On va voir ça. Ça va pour 21 tonnes, je les sens pas trop. Ah, j'ai fait 2% de dégâts sur la remorque. Ah oui, mais je sais plus où du coup. Je sais plus où. Allez, on accélère. 70 km/h. On va éviter. Comme ça, on peut gagner un peu de temps. Donc là, c'est l'autoroute. Pas grand monde à l'autoroute. Donc ça, c'est cool. La 10, c'est pour aller à Orléans, ça. Mais à Port-Orléans, je crois, justement. Je ne crois pas qu'il y a Orléans. Faites voir, il y a Orléans ou pas? Non, c'est Saint-Laurent le plus près. Et après, ça va être. Je voudrais faire Paris en dernier. Reims, on a déjà fait. Tout ça, je voudrais faire Paris en dernier. Reprendre Bourges. Faire peut-être Dijon, Saint-Laurent, Le Mans. Enfin, essayer de faire un petit truc comme ça. Et faire vraiment Paris en dernier si c'est possible. Ça serait vraiment super. Merci. Ou je paierai le péage plus tard, t'inquiète pas pour ça. Donc moi c'est direction Paris, mais je vais pas à Paris. Voilà. Je prends la 10. Ok. Non, bah Nantes, on y revient, donc. C'est sûr et certain qu'on va pas prendre Nantes. On retourne un petit peu dans le centre de la France. Ça fait pas de mal. Voilà. Allez, on est parti.
On est parti, on est parti. Direction Bourges. Destination Bourges. Petite remorque. Ah si, elles sont éclairées en longueur parce qu'on les voit pas trop quand même, les petites remorques. Dans le noir comme ça, complet, on a du mal à la voir. Ah oui, j'ai mes pleins phares, je suis désolé. Je suis désolé, je vais mettre à 110, je pense que c'est plutôt pas mal. L'air de Châtillerault-Hérault, je crois que c'est ça qui était marqué, je sais pas. Je peux remettre les pleins phares. Ah non, on me double. Qu'on me double, donc arriver à la hauteur, faut que j'enlève mes pleins phares normalement. Pour être vraiment. Voilà. Dans le RP le plus respectueux. Enfin, je roule à 110, donc c'est pas non plus très réaliste aussi quand même. Donc voilà. C'est pas non plus le plus réaliste quand même. C'est pour gagner un petit peu de temps quand même. 3h13, ouais, bah c'est bon. Hein. On est tranquille, tranquille quand même. Ah, pouvez me doubler les gars. Hein. Vous pouvez me doubler, j'évite de rouler trop vite parce qu'après je fais des accidents, donc vous pouvez me doubler, il n'y a pas de souci. Hop, hop, hop. Avec notre petit bœuf. On tourne là, nous. Hein. Ok, donc ouais. On reprend la route de Nantes-Saint-Laurent, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est après, c'est Paris. Non, moi je vais pas à Paris. Non, non, non. Il n'y a personne, c'est bon. Ouais, j'arrive un peu vite hein, dans cette petite portion là. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, on est où là? Alors, attendez. Bon, on passe à, juste à côté de Saint-Laurent. Non, mais attendez, si on passe juste à côté de Saint-Laurent, tant qu'on découvre, non? Bah je vais arriver, je vais voir vers Saint-Laurent, mais autant qu'on découvre Saint-Laurent dans la même dans le même temps, hein, parce qu'on va pas s'embêter à faire je sais pas combien de temps de trucs. Hein. Bah oui, hein. Autant qu'on s'arrête à Saint-Laurent. Je pense que c'est le mieux. Hein. Je sais pas, je vais voir. Parce que le. Il n'y a que 3h41 dans le jeu. Ok, je me suis trompé, voilà. Il n'y a que 3h41 dans le jeu. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être en allant au Mans. Si on va sur le au Mans, on peut s'arrêter à Saint-Laurent. Je sais pas. Je pense que là, franchement, c'est. C'est l'idéal pour aller à Saint-Laurent. Parce que c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on se fait? On s'arrête à Saint-Laurent? Ça n'arrête pas à Saint-Laurent? Du coup, je sais pas trop. Du coup, je sais pas trop du tout. Ouais. Je sais pas. Comme ça sera l'occasion de découvrir Saint-Laurent. Je sais pas. Moi, je pense que oui, ce sera le bon compromis. Voilà. On accélère un petit peu quand même parce que. Hop. 110. Voilà, on est parti. Beaucoup de nationales quand même, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est pas très beaucoup desservi en. C'est pas beaucoup desservi en autoroute. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter à Saint-Laurent. Allez hop, c'est fait, c'est décidé parce que sinon. Ça raconte. 2h34, bah voilà, et puis on arrive dans combien de temps?
Ouh, bah écoutez, c'est bon, 3h01 il nous reste et 2h30, oh, bah c'est bon. Si je roule à 110, on va vite arriver, hein, je vous le dis, moi. Non, bah oui, donc c'est bon, c'est bien, c'est plus pratique. Allez, on va s'arrêter vite fait à Saint-Laurent. Ce sera découvert et puis on n'en parlera plus comme ça. J'espère que le micro n'est pas trop près. Bon, au moins vous m'entendrez bien cette fois-ci correctement. Saint-Laurent. Bravo, 11%. Voilà, avec un panneau. Ça, c'est vraiment félicitations. Félicitations. Bourges. Centre nucléaire. Enfin, centrale nucléaire de Saint-Laurent. C'est l'idéal, c'est là où on veut aller. On est vraiment dans la campagne de chez campagne, là. Ça change, franchement, ça change vraiment des grosses autoroutes et tout ça. Ah, on peut apercevoir le petit réacteur. Il y en a deux, enfin des petits réacteurs, des assez gros réacteurs quand même. Parce que, regardez-moi la taille des réacteurs, c'est assez gros. Saint-Laurent, découverte. Ah, puis le jour commence à se lever. Ah oui! Oh là, ça n'a rien à voir avec les autres centrales nucléaires. On passe juste à côté du réacteur. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je croyais que toutes les centrales nucléaires allaient se ressembler, mais pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oh là. Oh là, ça n'a rien à voir du tout. Ah bah c'est super, moi j'adore franchement visiter comme ça, j'espère vraiment que vous vous aimez bien aussi de visiter comme ça. Hop, toujours la petite barre de sécurité. Bonjour monsieur, je viens juste visiter votre centrale. Bon, vous voulez du bœuf? Oh franchement c'est pas mal. Franchement c'est hyper beau. Enfin, ça change quoi. Ah, c'est la même qu'à Saint-Amand-du-Rhône, j'ai l'impression, mais avec des choses différentes quand même. Ouais, bah moi je vais pas aller dans l'entreprise, hein, je vais juste faire mon demi-tour comme ça, vous allez voir. Mon demi-tour est un petit peu barbare. Hein. Bon, ça va, ça se fait quand même. Voilà. On monte sur les trottoirs et tout. Non, c'est pas des trottoirs, c'est juste des délimitations de voie. Ok. Allez, hop, c'est parti. Donc là, il n'y a rien, c'est bon. Allez, on est reparti direction Bourges. Cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Comme ça, Saint-Laurent, ça sera fait. Saint-Laurent, ça sera fait. 2 heures. Ouais, 2 heures, il. Ouais, bah c'est bon, attendez. On y est, hein. On y est là. Oula, mon. Il va être fatigué, mon chauffeur. Mon chauffeur. Ah oui, alors aussi, j'avais reçu un commentaire il y a longtemps, longtemps. Et j'avais oublié de mettre le sondage. C'était pour si je voulais enlever la simulation de la fatigue et des amendes. Je pense pas le faire, franchement, parce que ça fait partie du jeu. C'est à moi aussi d'arrêter de faire le fou sur les routes. Hein. Voilà, c'est vraiment à moi d'arrêter de faire le fou sur les routes et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Regarde là, je marque pas le stop, ça met risque et péril. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Après, je sais que ça peut vous. Je pense que ce commentaire-là était là parce que vous en avez marre de m'entendre me plaindre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une remarque qu'on me fait souvent, hein, pas forcément en vidéo, mais c'est à moi aussi, voilà,
de contrôler mes émotions, on va dire. Voilà, tout simplement. Allez, on va à Bourges. J'espère qu'on va arriver avant la fin de la vidéo à Bourges quand même. Bon, je pense quand même. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas forcément de raison à ne pas arriver à destination. Puis il faut aussi avancer dans la série, parce que si c'est pour passer 20 minutes en vidéo et puis qu'on n'a pas avancé plus que ça vaut pas le coup non plus. Au moins là, quand on fait 3 villes dans une vidéo, on peut se dire, ah bah on a été productif quand même. Enfin, 2 villes découvertes et une ville de départ. Là, c'est Selles-sur-Cher. Ah bah on est vers le Loir-et-Cher là. Ben oui, ça se trouve. On est dans le Loir-et-Cher, enfin je sais pas. Oh purée, il y avait un feu rouge là, j'avais pas vu. Un petit pont. Tranquillement. Sympathique le petit pont. Hein. C'est un endroit pour dormir ça? Ah non. Ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu. On va se mettre à 110. On arrive dans combien de temps? Bah, c'est juste à côté normalement. Normalement là. Il n'y en a plus pour trop longtemps. Allez, c'est parti, 110. 110, 110. Hop. On va enlever les pleins phares. Bah voilà, du coup, le jour se lève. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. On fait une journée. On a fait deux. Enfin, je vais arriver à te parler. Hein. On aura fait jour et nuit dans la même vidéo. Une livraison. Jour. Une livraison de nuit et une livraison de jour dans la même vidéo. Ça aurait été un chargement mixte de nuit et de jour. Allez, hop, on accélère. Parce que la musique s'accélère en fond. Disons qu'il faut que je me dépêche. Oh, mais je suis large, t'inquiète pas, mon pote. Hein. Oulo, t'inquiète pas. Je suis large. J'accélère. Je vais remettre à 110 mon régulateur de vitesse. Il va accélérer tout seul comme ça. Je vais arriver à l'heure, ne vous inquiétez pas. Oui, bah non, j'ai toute la galère. J'ai la musique, j'ai mon chauffeur qui est en train de s'endormir. J'ai toute la galère, quoi. Toute la galère du monde, j'ai envie de dire. Là, c'est une autoroute. Ouais, c'est une autoroute, c'est la A20. Hop là. Il y a un aéroport à Bourges. Apparemment. Oula, 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 oula. Oula. C'est chaud mon truc un peu. On a SO je crois. Là il y a il y a la station service. Oh elle est gigantesque cette station service. Oh la vache. On était à Issou, je sais pas quoi, ou Issoun, je sais pas. Allez, on accélère. Une belle ligne droite là. C'est un parc éolien. Ah ouais. Des petites belles éoliennes comme ça. C'est vrai que c'est sympathique. C'est sympathique quand même. Non, vous êtes pas sérieux, il y a une moissonneuse. Oh là là. Pour la première fois de la vidéo, il y a une moissonneuse. Ah, je suis désolé, mais là, faut que je te double. Ah, moi, j'ai plus le temps, mec. Hein. Ah, y a vraiment plus le temps. Oh là là. 120. Ah, le truc qui clignote, il en peut plus. Je passe à 120, le machin, il en peut plus déjà. On était où? À la 40 sur Besson, je crois, un truc comme ça. Et je vois plus rien en plus avec le soleil. Je me fie au GPS parce que je vois plus rien. Allez, on accélère, on accélère. Bon, du coup, la vidéo elle sera un peu plus longue que d'habitude. Hein. Je suis vraiment désolé, mais. Il faut vraiment qu'on travaille, quoi. Qu'on avance dans ces vidéos. Hop là. Je me dépêche le plus possible. Hop. Allez, moi, c'est ici que je livre. Non mais vous êtes pas sérieux les gars. J'ai pas de volant aussi, c'est ça qui est dommage. Parce qu'avec un volant, c'est vrai que tu. Pour les manœuvres et tout, c'est plus pratique. T'as le retour de force, donc. C'est hyper bien.
Allez. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en pouce bleu. Twitter, Facebook, c'est dans la description comme toujours. Le petit lien PayPal pour me soutenir aussi sur la base du volontariat. Hop, nous terminons notre petite livraison. Ou pardon. C'est bon. Voilà. Allez, baissement des béquilles. Bon, satisfaisant parce que j'ai bugué un petit peu la remorque. Et sinon, c'était pas mal. Donc 18 sur 23 pour avoir découvert Bourges. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc c'était Sirius et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.